super rigolo. C'est très casse-gueule. Oui, ça peut être vraiment pratique pour la balade de tous les jours. Ouais, faut vraiment pas prendre la confiance. Parce que moi, je sens que je tombe déjà trop la con. J'ai failli tomber là tout à l'heure. J'avais vraiment un classique. Parce que c'est un peu dur, hein. A few minutes later. Allez, ça part sur le retour. Petite accélération pendant qu'on patine. Alors, ton avis? Bah c'est cool, mais je suis pas à l'aise comme sur des quads, moi, tu sais, c'est la tonne, hein. Je me sens... Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire des quads électriques, mais je trouvais que le fait de faire des quads, ça dénature le quad, parce que le quad, c'est pas fait pour aller vite et bombarder, tu vois. Pour moi, le quad, c'est pour se balader... Bah, moi, le quad, j'en ai fait de mes 12 ans à mes 30 piges. Ouais. Pour aller d'un point A à un point B parce que j'avais besoin de... Parce que j'aime pas les transports en commun. Ouais. Et que j'avais envie de me bouger un peu, de me dépenser. Donc du coup... Est-ce que du coup tu penses pas que si on fait des quads électriques, ça va dénaturer le quad? Toi tu penses que ce serait quoi? Bah pour moi ça dénature pas plus le quad que le inline, hein. Ok. Franchement... Du coup si jamais je fais une version quad... Bah tu me l'as fait tester direct.